Oui, évidemment, hein, les gens viennent au stade pour voir Léo, pour voir évidemment l'équipe du PSG, pour voir Kylian, ce soir Ney était absent, évidemment que les gens viennent là. Mais comme je le dis souvent, et tout le monde est unanime, je pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et il aime jouer pour les autres, il a une relation technique, une relation avec le ballon, évidemment, hors pair, je ne vais rien apprendre à personne. Mais il a surtout cette qualité de vouloir jouer pour les autres et être très altruiste. Et ce soir, il a été à la fois très généreux dans ses passes. Il y a eu beaucoup de jeux dans la petite profondeur qui ont été très intéressants. Et il a été magnifique sur ce deuxième but, évidemment. Je dis toujours aux gens de venir au stade quand il y a des joueurs comme ça sur le terrain, il faut en profiter parce que le jour où ils ne seront plus là, tout le monde regrettera. Je ne suis pas surpris, nous au club, on n'est pas surpris. Fabien Ruiz, on le connaît nous depuis des saisons. Je me souviens l'avoir vu avec Luis Campos sur un PSG Naples en Champions League. Et c'était un joueur qui nous avait tapé dans l'œil. Il est arrivé à court sur un plan athlétique. Il a eu une préparation tronquée. Il attendait son transfert, donc il a fallu du temps pour qu'il puisse se remplir physiquement. C'est un joueur qui a besoin d'être très bien physiquement. Après, il a une maîtrise technique, il a une lecture du jeu, il travaille pour les uns et pour les autres, mais quand il a le ballon, il a la passe juste. Il me semble que sur les matchs qu'il vient de faire, il a le bon tempo sur gérer les temps forts et gérer les temps faibles.